encore une fois, son machination qu'a fait de, pour déstabiliser le pays d'Haïti. Parce que qui est-ce qui a pour casser c'est pêcheurs. C'est pêcheurs qui ont vendu en bio, qui ont maillot, qui ont vidéo. C'est eux-mêmes qui va souffrir de ça. Donc, le gouvernement a tenu à apporter, et à travers le ministère de la Santé publique et population, et Florence fait un communiqué, côté que nous démenti catégoriquement que tu n'as pas gagné et des intoxications à partir de fruits de mer. Donc, je vais quitter Florence intervenu pour les communiquer rapidement et ça va l'entraîner dans la vie. Et ensuite, Florence. Merci PM, m'a dit toute population bonsoir. Et ministère de santé publique, tant que PM n'a dit, fait sortir au communiqué qui dit ça, je vais le répéter là. Ministère de santé publique à la population démenti formellement information qui fait quoi que 38 personnes qui n'en bas à Tibonite, qui t'a gagné une diarrhée avec un vomissement, et que diarrhée à vomissement ça t'a provoqué par fruits de mer que tu as mangé. Nous dit clairement à toute population hein, et à tout le monde que ça a intéressé que pas gain aucun cas de monde mouri qui décédé par rapport à manger viande fruits de mer Jean yo fait quoi dans notre cap circulé. Donc c'est ça que l'autorité sanitaire yo constaté dans la zone là et c'est ça que nous tient à partager notre de presse. Ceci étant dit en français il dit Sambal dit là le ministère de la santé publique et de la population démenti formellement l'information selon laquelle 38 personnes seraient décédées dans le bas Artibonite à cause de diarrhée et de vomissements provoqués après consommation de fruits de mer. En effet, aucun cas de décès dû à une intoxication de ce genre n'a été enregistré dans la zone selon le constat des autorités sanitaires. Merci. Merci Florence pour communiquer. Donc, le gouvernement a démenti formellement faux nouvelles qui servit uniquement à déstabiliser le pays.